Jacques Dupuis naît en Belgique, à Carignan, le 24 décembre 1914. Il est le sixième enfant d'une famille de chirurgiens et est élevé dans un milieu conservateur où la rigueur est de mise. Jacques perd sa mère très jeune. Son père est un homme d'une grande autorité et de principe. Il demeure alors ambigu et ombrageux dans ses relations avec sa famille et son travail. Jacques Dupuis fait ses études à la Cambre. Celle-ci rejette l'architecture traditionnelle pour prôner le dogme moderne de l'universalité et de l'essence. Imaginons qu'il aurait suivi le parcours à Saint-Luc. Est-ce que vous pensez que ça aurait été totalement différent pour lui? Il l'aurait quitté. Il l'aurait quitté? Oui. Je suis certain. Il l'aurait quitté parce que ça ne collait pas à son esprit. C'est un esprit très... C'est un esprit libertaire. C'est un esprit libertaire et donc... pourquoi la Cambre lui convenait? Parce que la Cambre était une école assez jeune et dans laquelle beaucoup de choses à ce moment-là étaient possibles. Donc le fait d'être en rupture avec et d'être dans un, disons, dans un débat plutôt d'avant-garde dans lequel on pouvait se placer dans des situations différentes lui convenait beaucoup plus. Par nos différentes rencontres, nous avons noté que la personnalité de Dupuis se reflétait dans son architecture. Il marque ses clients qui sont aujourd'hui toujours imprégnés du personnage. Les clients d'origine ont un souvenir de lui tellement fort et tellement marquant qu'ils nous parlaient, quand on était assis dans leur salon, ils nous parlaient de lui comme s'il était là à côté. Et donc c'était très émouvant comme situation parce que on comprend bien que cette personne a touché ses clients non pas simplement comme un professionnel qui réalise la construction de leur résidence, mais humainement, il les a touchés. Il leur a changé leur vie d'une certaine manière en interprétant ce qu'eux voulaient comme programme, mais en leur offrant son univers de signes, son univers formel, qui est un univers formel assez vaste et assez riche. Mais on reconnaît des maisons de Dupuis parce qu'elles sont. On rentre et d'emblée, on sent bien qu'il y a quelque chose de particulier. Jacques Dupuis est l'anarchiste parfait. Le dandy par excellence. Il est un homme moderne et libre de toute idéologie. À 23 ans, Dupuis est indifférent à la politique internationale et rejette toutes les doctrines. Tout engagement politique lui est rendu impossible par son éducation catholique sévère. Jacques Dupuis est un homme intelligent et cultivé qui combine le talent et la sensibilité de sa mère avec le sens de la précision de son père. Il est attentif à l'évolution de la pensée et de la technique et curieux du passé et du monde contemporain. Il est connu pour son esprit alerte, son attitude vitale, son savoir-vivre et son humour. Dupuis me semble quelqu'un qui aurait fonctionné comme étudiant aujourd'hui, où on part en vadrouille tout le temps, on va boire ici et là. Il y a toute cette dimension de l'amusement comme ça. Ça, moi, je le trouve quelque part appartenir un peu aussi à la génération d'aujourd'hui, pas la mienne, hein, plus la vôtre, de celles qui nous ont précédé, dans laquelle l'architecture, oui, mais on la prend pas trop au sérieux, ce qui est peut-être très bien. Il a une attitude modeste par rapport à son travail et il parle peu de son architecture. Pour lui, l'architecture, c'était. Évident. Ça allait de soi. C'est anodin. Ça, c'est le mot qu'il disait. Anodin. Il s'intéresse à la photographie, à la peinture, au piano, à la lecture, et il voyage beaucoup. Lors de ses voyages, il est loin de se contenter des villes et des bâtiments. Il observe, dessine et prend des photos de la vie quotidienne. Lui voyageait beaucoup. Et donc, elle était voir des choses que les autres ont vues seulement sur des revues. Et en voyant les choses ouvrées, je pense que tu construis un esprit critique qui est tout à fait autre chose. Beaucoup plus mûr, qui est beaucoup plus précis, qui est beaucoup plus riche. Et du coup, tu te construis une culture qui est beaucoup plus vaste. Ça te permet aussi, après qu'on voyait les intérêts de ces maisons avec plein de choses qui ont l'air d'être incohérentes, c'est pas du tout ça.
c'est que finalement, c'est le visage de ces personnes qui habitent là-dedans, qui remettent leur vie, l'illustrent dans ces intérieurs. Jacques Dupuis n'était pas doué pour le travail en solitaire. Il a besoin de l'approbation d'un collègue. Suit alors une période de collaboration avec de nombreux architectes. Durant 10 ans, il collabore avec son grand ami Roger Bastin. Et c'est en 1956 que débute la collaboration avec Albert Bontrider, et ce jusqu'en 1976. Né en 1921 d'une famille moyenne, Albert Bontrider vivait à Anderlecht. Comme Dupuis, il est sujet à une forte autorité paternelle et à une famille catholique conservatrice. Il se lie d'amitié avec Jan Walhavens. Tous les deux aiment se cultiver, ils vont au théâtre, voir des expositions, et ils lisent beaucoup. Bontrider veut se rendre à la Cambre, mais son père est contre et il choisit Saint-Luc. Jan Walhavens lui enseigne l'art de l'écriture et l'intérêt pour la littérature. Dès 18 ans, il écrit des textes sur l'essence de l'architecture et c'est un poète reconnu en Flandre. Il met ses talents d'écrivain au service de l'architecture. Ils travailleront ensemble sur 70 projets, dont 45 seront exécutés. Dupuis prend contact avec les maîtres d'ouvrage et fait les premières esquisses. Bontrider extrapole, dessine et suit le projet jusqu'à la fin. Il intervient souvent comme médiateur entre le client et un Dupuis capricieux. Grâce au dévouement et à l'enthousiasme de Bontrider, Jacques Dupuis a pu édifier ses œuvres les plus caractéristiques. Quant à Bontrider, ce statut le satisfait car il participe à l'accomplissement d'une architecture qu'il considère comme une forme de poésie contemporaine. Il a compris que Dupuis était quelqu'un d'extraordinaire et que le fait de pouvoir travailler avec lui, ça lui aurait donné lui des ailes pour faire de l'architecture. Et il a créé son langage qui est très très proche. Mais pas le même, quand on voit bien le projet de Bontrider, c'est pas vraiment le même, mais il est très proche, moi je trouve. Aucun problème là-dedans. Et donc il ne faut pas nécessairement essayer de se démarquer, montrer à tout prix qu'on est différent pour exister. Mm-hmm. Et tout simplement accepter la réalité telle qu'elle est. Et moi je trouve qu'elle est beaucoup plus, à la limite beaucoup plus honorable. Parce que très rare, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Leur collaboration professionnelle est une réussite car ils gardent une certaine distance. Ils ne sont pas amis mais collègues avec une confiance mutuelle. C'est dans leurs différences qu'ils se complémentent. La personnalité tempérée de Bontrider s'avère être le bon contrepoids de celle plus fantasque de Dupuis. Bontrider était son associé, son collaborateur, etc. Et Bontrider, vis-à-vis de lui, mais va vous le raconter, il avait une posture assez particulière. Il était toujours un peu comme ça, dans une situation de respect. En fait, je crois qu'ils n'étaient pas copains. C'est surtout ça. Donc c'était une équipe qui fonctionnait. Mais ils n'étaient pas des copains, donc s'il allait boire un verre, il allait boire avec quelqu'un d'autre, il allait pas boire avec Bontrider, c'est un peu ça. Tu sais, Dupuis, c'est un seigneur, hein. Moi j'étais un besogneux, c'est tout à fait différent. Et il le faisait remarquer, c'est... Non, c'est... Je portais sa valise, hein, c'est... Mais je ne lui en veux pas, il était comme ça. En 1959, un bouchon de champagne ôte presque totalement la vue de l'œil gauche de Dupuis, ce qui l'handicape dans la précision de son dessin. Après cette perte partielle de la vision, Bontrider lui sera un collaborateur dévoué et intègre. Parce que Jacques Dupuis faisait les croquis et puis vous deviez concrétiser le projet. Et... Oui. Il dessinait sur des cartons de bière. On allait voir le terrain, évidemment, mais c'était vraiment 3 ou 4 lignes. Le penchant immodéré de Dupuis pour le whisky prend vers 1970 des proportions désastreuses et l'exténue physiquement et nerveusement. Bontrider commence à prendre alors son indépendance vis-à-vis des projets. Jacques Dupuis meurt à 69 ans, suite d'une cirrhose avancée, le 17 janvier 1984. Albert Bontrider est aujourd'hui toujours vivant et il habite Bruxelles.
Dans cette présentation, nous parlerons plus des caractéristiques architecturales de Jacques Dupuis, tout en sachant qu'Albert Bontrider fut son associé et suivit les mêmes principes. Le mouvement moderne est un courant de l'architecture apparu dans la première moitié du XXe siècle avec le mouvement du Bauhaus, caractérisé par un retour au décor minimal, aux lignes géométriques et fonctionnelles et la subordination des formes à l'emploi de techniques nouvelles. Il s'est développé notamment par les architectes Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Oscar Niemeyer et Le Corbusier. Albert Bontrider et Jacques Dupuis s'opposent à la conception mécanique du modernisme, au concept de la machine à habiter et à la dictature de l'angle droit. Je crois qu'il correspond bien à cette époque d'après-guerre, de sortie de crise, de renouveau, d'invention et d'esprit de liberté. Dans les années 70, tout ça est déjà terminé. Son position dans le milieu architectural est pour moi intéressante parce qu'il correspond à une génération d'architectes qui sont venus après l'époque héroïque du mouvement moderne, qui ont été formés à l'avant-guerre et qui donc ont fait une architecture qui a hérité des expériences des années 20-30. Ils sont sceptiques envers les fonctionnalistes, pour qui la science de la construction l'emporte sur l'architecture. Tout intérieur habité doit avoir un esprit propre et doit se caractériser par une poésie pure, bien à lui. C'est vrai que dans le milieu du mouvement moderne, surtout dans l'après-guerre, il y a des courants très orthodoxes, comme ça, on doit suivre certaines logiques et d'autres qui sont beaucoup moins. Par exemple, Veralto, etc. C'est tout un courant qu'on a appelé plus tard organique, mais qui est pas du tout dans la même lignée de Le Corbusier. Et en Belgique, par exemple, il y avait aussi ces deux courants. Il y avait un courant très très orthodoxe qui donc ne supportait pas l'architecture de Dupuis, il n'aimait pas du tout. Parce qu'il voyait une espèce de laisser-aller baroque, trop individualiste comme ça, et qui introduisait des éléments de dissimulation, des éléments de métissage qui n'étaient pas franchement appréciés. La modernité de Jacques Dupuis réside dans le bousculement, la remise en question des valeurs de l'époque, des doctrines admises par les chefs de file de la profession, des évidences et des certitudes. Jacques Dupuis conçoit sa démarche instinctivement. Il est impossible de qualifier son œuvre dans un mouvement et apparaît comme un représentant de la nouvelle avant-garde de l'architecture en Belgique. Un critique d'art, il a dit que l'architecture de Dupuis est celle que Le Corbusier aurait souhaité pouvoir réaliser. Au premier abord, nous étions tous sceptiques en voyant les premières photos de nos deux architectes. Leur construction nous paraissait vieillie et d'une autre époque, les murs de travers, les décorations baroques, les couleurs dorées. Après quelques recherches en bibliothèque, l'architecture de Dupuis et Bontrider nous apparaissait déjà plus claire. Mais il nous a semblé évident qu'il fallait visiter ces habitations. Très vite, nous sommes devenus familiers à leur univers. Après la visite de quelques maisons et de leurs propriétaires, nous nous sommes vite rendus compte de la justesse avec laquelle ces deux architectes avaient répondu aux besoins et aux désirs des habitants et combien ceux-ci étaient comblés par leur maison. Jacques Dupuis a une capacité de métisser et de rassembler dans une même habitation des éléments issus d'époques anciennes, contemporaines ou même d'avant-garde. Ceci nous incite à essayer de comprendre les multiples racines de son travail. Il était fasciné par l'architecture scandinave parce que c'est une architecture qui porte une attention particulière au contexte et aux conditions climatiques.
Il a toujours affirmé que l'architecte qui l'a le plus marqué était le Suédois Erik Gunnar Asplund. Enfin, l'architecte allemand Hans Scharoun sera également une source d'inspiration. L'histoire de Dupuy raconte, à mon avis, de manière extraordinaire, à quel point l'architecture, c'est une question de personne. Beaucoup plus que de techniques, que de règles, que de dessins, que de choses. C'est vraiment une question de personne. De comment tout se négocie dans la relation entre les personnes. Les espaces acquièrent leur individualité à travers l'exploitation différenciée de la lumière et le décalage des niveaux, aussi bien du sol que du plafond. Les pièces ne sont jamais séparées physiquement, mais elles coulent les unes dans les autres. Elles se chevauchent, elles interagissent par interférence ou par osmose. La circulation est libre et la fluidité des mouvements et des séquences visuelles donne une impression de liberté intérieure. La maison doit permettre à chaque individu de se développer en toute liberté, de s'écarter des formes standardisées afin de créer un milieu vivant. Les maisons sont pensées comme des organismes qui se développent en interaction avec leur contexte. L'architecture, c'est autre chose qu'un joli objet. Hein? Ouais. C'est tout de même... Ça devrait être évident, à mon avis. Une maison, c'est une chose, on entre dedans, on tourne autour... Ça doit pouvoir se transformer même dans le temps. Wohnen in der Flut, c'est ce que j'essaie d'expliquer, d'exprimer. La maison appartient à ceux qui y habitent et pas ceux qui y passent. Non, la maison appartient à tout le monde, mais on l'utilise. Mm-hmm. Hein? Bien entendu, chacun a besoin de son intimité. Il faut pouvoir se retirer, il faut pouvoir se faire voir aussi, c'est nécessaire. Ouais. Et le passant a besoin de voir. Elle ne doit pas être exclue comme ça. Dupuy dédaigne l'alignement de la rue. Il offre à chacune de ses réalisations la meilleure orientation possible en fonction du terrain. Il enracine ses maisons dans le paysage et les raccroche au sol par l'étalement du plan. Pour Dupuy, la meilleure architecture est celle qui paraît tellement naturelle qu'on la voit à peine. Dupuy considère que l'horizon d'une construction doit se fondre avec l'horizon du paysage. Par exemple, les lignes de toit et de mur doivent se diriger vers le sol, de façon à diminuer l'agressivité de la construction par rapport à l'environnement. Dupuy ne considère pas le toit comme simple élément de couverture, mais refuse de lui attribuer une double fonction, toiture-terrasse, comme le faisait souvent Le Corbusier. Il en constitue un élément essentiel de la composition volumétrique. Les inclinaisons ne sont jamais le résultat d'un calcul, mais d'une intuition. Dans la plupart des cas, ces constructions sont horizontales et il utilise la cheminée comme point d'ancrage au sol, en soulignant ainsi le contraste avec les masses blanches des murs. L'accès à la maison et entre les différents espaces intérieurs sont d'une grande importance. Elles forment un rituel plutôt qu'un passage. L'intérieur des bâtiments se développe dans une succession de paysages et de spectacles, qui mettent en scène les espaces et les gestes de l'habitant. Dupuy pousse son travail jusque dans le dessin des intérieurs, où les éléments du décor participent à une mise en scène savante. Attends, est-ce que la caméra... Maintenant, les matheux, expliquez-moi comment ça se fait qu'un article qui est là-bas... Que vous le voyez là-bas. Oui, vous ne l'avez pas vu non plus. Parce que vous m'avez dit, je vais voir les reflets avant de vous signer le livre. Non, mais ce sont des... On retrouve une recherche dans la mise en œuvre des matériaux, dans le choix de la texture et de la couleur. Leur utilisation, en contraste ou en harmonie,
tranche à la fois avec tout excès d'ornementation et l'austérité du modernisme. La plupart des constructions de Dupuis sont composées d'une multitude de parois en briques peintes en blanc. Le mur comme écran n'est pas un élément statique, et la couleur blanche allège la masse et rend la surface plus lumineuse. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, the scene. On retrouve une opposition franche entre l'avant et l'arrière, le fermé et l'ouvert, le public et le privé. La façade avant est un écran dans lequel on retrouve peu d'ouverture, afin de privatiser l'intérieur. La façade arrière, par contre, s'ouvre largement sur le jardin et permet de profiter pleinement de l'apport solaire et de l'intimité. Dupuis cherche dans ses réalisations à assurer la continuité entre les espaces intérieurs et extérieurs. On remarque que la fluidité des espaces intérieurs se prolonge dans le jardin, aux endroits où le mur poursuit sa course à l'extérieur. Pour Dupuis, l'ornement peut être une contribution émotive, essentielle à l'architecture, pour autant qu'il ne perturbe pas l'existence et le sens des surfaces. Le soleil, symbole de la source de vie, est l'élément le plus souvent retrouvé. On retrouve des feux ouverts dans toutes ses réalisations. Ils sont le symbole du recueillement, du foyer, du refuge autour d'un lieu protecteur, dont le feu est le centre et la cheminée le signal. Il est considéré par beaucoup comme un sculpteur de la lumière. Il gère la qualité de l'atmosphère de chaque pièce par le soin qu'il lui apporte. L'utilisation régulière de peintures blanches, brillantes ou noires, sert à provoquer une réflexion de la lumière naturelle ou artificielle vers l'intérieur de la maison. Dupuis accorde beaucoup d'importance au contraste clair-obscur, car il permet de mettre en valeur les objets et les personnes. J'ai raconté ça déjà très souvent. Wibaum, un jour, fait la remarque que j'étais un criminel de l'architecture parce que, bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Dupuis qui m'a apporté ça. On ouvrait les angles. Voilà. Et c'était rien du tout, mais ça changeait tout. Dupuis n'est pas lié à l'angle droit qui à cette époque était de rigueur. Il ouvre les angles. On ne parle plus d'un coin comme d'une superficie perdue. En jouant sur l'oblique et la diagonale, il crée des perspectives inattendues qui amènent à la découverte. Qu'est-ce qui vous a le plus plu pour finir dans son architecture ou dans cette découverte? Je dirais ça, la liberté de penser. Le fait de ne pas se laisser enfermer dans des logiques, dans des mécanismes, dans des idéologies. C'était quelqu'un qui, dans l'impression, au travers de son travail, dans l'impression d'être resté libre. Wohnen in de Vlut, habiter dans ce qui passe. Pour nous, Dupuis, c'est avéré comme un homme de conviction. Tout au long de ses projets, il se base sur des principes intuitifs et logiques qui déterminent son travail. Son architecture est de tout temps. Comme ses clients l'ont été à l'époque, nous avons très vite été emmenés dans son monde. Merci. Au revoir.
We're gonna run to